Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma Crystal Mega Néon pour une nouvelle vidéo spéciale trade. Aujourd'hui, je vais tester, faire une expérience pour savoir ce que les gens trade contre des licornes néons. Mes 4 licornes néons. Alors oui, en fait, j'ai filmé la vidéo que vous allez voir avant que Crystal ne se transforme en méga néon. Donc je vous le dis en début de vidéo, j'ai enregistré ce petit morceau de vidéo pour vous en informer, pour pas que vous ne vous inquiétiez. Donc voilà, Crystal est bien méga néon, mais la vidéo que vous allez voir a été filmée juste avant. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve très bientôt. Et voilà, je viens de me téléporter au centre-ville, au cirque plus exactement, pour voir ce que les gens me tradent pour une ou plusieurs licornes néons. Si vous aimez ce style de vidéo, les amis, surtout n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de pouces bleus et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'encourage énormément. Ça y est, on a la première demande de trade et je vais tout de suite mettre ma Crystal Néon. J'ai trop peur de cliquer sur accepter. Faudra vraiment que je fasse attention. Donc là, on a une bee Flyeride, un jouet rare et un monkey, un beaver. Donc là, je refuse. Je pense qu'il va quand même falloir que j'attende un petit peu pour voir ce que les gens mettent vraiment. Est-ce qu'ils acceptent l'offre ou pas? Là, j'ai refusé parce que pour l'instant, j'ai trop peur. Mais pour les futurs trades, je vais attendre. Voilà, là, il a accepté pour le Griffin Fly et Ride. Je trouve que c'est pas assez pour une licorne néon Fly et Ride qui a nécessité quand même 4 licornes plus une potion Fly et Ride. Là, on a un Red Panda Fly et uniquement ça, et la personne accepte. Là encore, je trouve que ce n'est pas équitable. Le Red Panda est super beau, mais il est rarissime, alors que la Néon, eh bien, elle a nécessité 4 légendaires. Oh non, un Bandicoot. Là, je crois que je vais tout de suite refuser. Ceux qui suivent mes vidéos savent exactement pourquoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oh my god, quand je me souviens de ça, oh là là. Bon, j'ai changé de serveur et là, il y a pas mal de monde, pas mal de très beaux pets. Et on va voir si quelqu'un est intéressé par une licorne néon. C'est bon, on a déjà la première demande de trade. Moi, je ne fais pas trop de demandes, j'attends vraiment que les gens me demandent. Comme c'est qu'une expérience, oh my god, là, il y a un Pink Cat Néon Flyeride. Ça, c'est un très très beau pet. Je vais mettre plusieurs licornes néon pour voir ce que la personne a à offrir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau les Pink Cat, déjà en normal, mais alors en néon, c'est magnifique. Est-ce qu'elle va ajouter d'autres pets ou pas à son offre? Je sais pas, on va voir parce que là j'ai quand même mis 4 néons. Ah oui, elle ajoute un Business Monkey et on va voir s'il y a d'autres choses. Ah, je vois une Evil Unicorn derrière. Ah non, elle accepte juste pour le néon Pink Cat et le Business Monkey. Là, je me demande si c'est assez pour 4 licornes néons quand même, je ne pense pas. Cette fois-ci, nous avons une bee, non, un King Bee, pardon, tout simple. Je vais mettre les 4 licornes et on a une licorne Fly et Ride. Est-ce que là, la personne accepte ou est-ce qu'elle va ajouter d'autres pets? Et c'est accepté juste pour ces 2 pets-là. Alors, oh, la Evil Unicorn, elle est là. Oh my god, on a aussi un Arctic Fox, je crois que c'est ça, un Panda Fly. Et est-ce que la personne va ajouter d'autres choses ou retirer d'autres choses? Oh my god, Cloudy, elle est trop belle. Attendez, je me prépare quand même sur le bouton refuser. J'ai trop peur. Ah, mais la personne a décliné. Ok, mais je comprends, hein, elle a de très très beaux pets. On a encore une nouvelle demande de trade. Ah, c'est le retour du Pink Cat Néon. On a également le Business Monkey, le Toy Monkey et un chat néon. C'est vraiment pas mal, hein. Pour l'instant, je n'ai mis qu'une seule licorne. Franchement, je trouve que c'est quand même une belle offre. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Add and I will add Arctic Reindeer. Ah oui, elle me demande d'ajouter un pet pour qu'elle, de son côté, ajoute un Arctic Reindeer. Ok, on va voir. Donc là, on a un chien méga néon. Oh my god, ils ont utilisé 16 chiens. Bon, ils sont ordinaires, mais quand même, c'est un méga néon. Alors là, nous avons un dragon et des monkeys rares, des monkeys classiques en fait. Et un rat également. Donc bon, ce sont de très beaux pets aussi. J'ai l'impression qu'il y a de beaux animaux, hein, sur ce serveur. Ah, elle est là avec son Arctic Reindeer et le chat rose néon. Toujours les monkeys. Ça aussi, c'est une très belle offre. Mais je suis désolée, je refuse, je peux pas donner mes cristals néons, c'est juste une expérience. Faut vraiment que je transforme ma cristal en méga néon, c'est le plus important pour moi. Donc là, on a une licorne Flyeride. Attendez, là, elle est en train de changer. On a un koala, un ginger cat et une bee. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce sont de très beaux pets.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, je vois un hall. Bon, allez, je change de serveur pour voir un petit peu ce qu'on va me proposer ailleurs. Et c'est parti. Me voici donc sur un nouveau serveur avec ma magnifique cristal. J'attends bien sûr... Ah, ça y est, déjà une demande de trade. J'ai même pas besoin d'attendre trop longtemps. Je vais directement mettre une licorne néon. Je vais mettre celle-ci qui est simple, ni fly ni ride. Et j'ai un overboard légendaire ainsi qu'un golden pingouin. Légendaire également, et c'est accepté pour la licorne néon. On continue avec la trade suivante. Je remets une licorne néon simple et nous avons un ému. Alors un ému, c'est rare. Nous avons également un monkey, un fennec fox. Donc voilà, là ce n'est vraiment pas assez pour une licorne néon, je pense. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Quoi? Rien contre une licorne néon. Je sais pas, vous auriez accepté, vous, de donner votre licorne néon, sachant à quel point c'est difficile d'en avoir une, franchement. Cette fois-ci, nous avons un crocodile fly et ride. J'aime trop les crocodiles, mais je ne suis pas sûre que ce soit assez, même s'ils sont très difficiles à trouver. En fait, ça dépend vraiment des préférences, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent tellement un crocodile qu'elles seraient capables d'échanger leur licorne néon contre ce fameux crocodile. Ça, ce n'est vraiment pas impossible, mais moi, j'aime trop mes cristals et surtout, je veux vraiment transformer en méga néon, en une licorne méga néon. Donc, je ne pourrais pas accepter une telle trade. Et donc on continue, cette fois-ci qu'est-ce qu'on va me proposer? Une tortue ride, donc ça c'est légendaire et ce n'est pas fini, il y a également deux potions ride et le stand de limonade. Donc là franchement je trouve que c'est pas mal pour une licorne néon, c'est vraiment pas mal. Allez on continue et on a un king bee déjà, un monkey, alors lequel c'est celui-ci? Je crois que c'est un monkey rare tout simple et on va voir si la personne accepte. Oui elle accepte pour la licorne néon. On continue avec la trade suivante. Je remets bien sûr toujours une licorne néon puisque c'est le thème de la vidéo. Et en face, nous avons quoi? Une bee. Il y avait une bee néon fly ride. Elle n'y est plus. Là, nous n'avons plus que le king bee ride. Ce n'est vraiment pas assez pour une licorne néon. Je pense en tout cas à mon avis. Même si le king bee est également difficile à avoir. Hein. C'est un très beau pet. Oh my god, 4 kangourous dont 2 qui sont ride. Ça, c'est une très très belle offre, je pense. Franchement, c'est quelque chose que j'aurais pu accepter si j'avais une licorne néon en plus. Mais ce n'est pas le cas et en plus, la personne a décliné. Donc, vous voyez, c'est vraiment... je me demande si ça vaut même pas plus qu'une licorne néon. Je ne sais pas trop. Là encore, ça dépend des préférences. Allez, c'est reparti avec la licorne néon. Nous avons un king bee ride, un ginger cat, un... je crois que c'est un business monkey. Ça, oui, c'est ça. Et nous avons un Shiba Inu. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est accepté. On continue. Et là, nous avons un dragon fly et ride contre une licorne néon. Là, je pense qu'il faudrait 4 dragons, 4 légendaires pour avoir la licorne néon. Donc, pour moi, ce n'est pas suffisant, je pense en tout cas. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ce que vous auriez fait. Et là, nous avons une tortue ride, un pingouin et 2 potions ride. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est une belle offre. La personne accepte en plus. Allez, on passe à l'offre suivante, à la trade suivante. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Qu'est-ce que ce sera? Nous avons tout d'abord un griffin fly et ride. Je vois déjà une potion fly, il y a un pot de miel et une potion ride. En fait, tout ça coûte des robux. Donc là encore, c'est vraiment, vraiment une belle offre, je trouve en tout cas. Si j'avais une licorne néon en plus, je pense que j'aurais peut-être accepté. Là, on a un dragon néon. Ah bah voilà, ça c'est l'équivalent à mon sens d'une licorne néon. Ah non, on n'a plus le dragon néon. Qu'est-ce qu'on a à la place? Un Shiba Inu néon. Oui, mais un Shiba Inu, c'est rarissime, c'est pas légendaire. Ah, il y a d'autres articles à côté, dont un Buffalo néon fly ride. C'est pas mal, mais je pense pas que j'aurais trade ma licorne. Je l'aime trop, en fait. Je pourrais pas. Nous avons un All fly ride. Là, honnêtement, si j'avais une licorne néon en plus, j'aurais accepté la trade. Ah non, on a un Arctic Reindeer fly ride. Ça aussi, c'est une belle offre, mais j'ai déjà un Arctic Reindeer. Oh my god, il y a de très beaux pets. Franchement, il y a de très belles offres sur ce serveur. Cette fois-ci, on a une bee, un ginger cat, un llama ride qui est quand même assez difficile à trouver et une voiture. Là encore, c'est pas mal. C'est plutôt une belle offre, je trouve. Allez, on continue avec la demande de trade suivante.
qu'est-ce qu'on va me proposer cette fois-ci? C'est vraiment sympa, je trouve, comme expérience. Il faut juste ne pas se tromper et appuyer sur le bouton accepter. Là, ce serait vraiment le drame. En tout cas, pour moi, qui veux vraiment faire ma méga néon, là, ça change un peu vite. Hein. Bon, en tout cas, je me retrouve avec un panda ride contre une licorne néon. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci contre la licorne néon, toute simple? On a un dragon ride. Est-ce qu'on va avoir autre chose? Ah non, c'est tout. Ok, bah écoutez, je pense pas que ce soit assez. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Allez, on continue, on a déjà une potion fly. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Une licorne néon, pour moi, c'est l'équivalent d'au moins 4 potions fly. Car moi, en général, je les trade contre une potion fly ou une potion fly et une potion ride. Donc, voilà, cette fois-ci, on a un griffon, fly et ride, un ginger cat, une potion fly et un pot de miel. Là encore, c'est une très belle offre, je trouve. C'est vraiment pas mal. Donc, est-ce que la personne va accepter pour la licorne néon? Oui, 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 elle est capable d'accepter pour ça. Cette fois-ci, nous avons un toucan qui est rarissime. Je l'ai déjà celui-ci. Vous pouvez l'avoir grâce au calendrier en vous connectant tous les jours. Et on continue avec, je vois déjà une licorne fly ride. Nous avons un... Ah non, on n'a plus que le monkey fly contre une licorne néon. Ah non, là c'est vraiment pas équivalent. Je suis vraiment désolée. On continue, on a une potion fly. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? Ah non, on n'a plus la potion. Un cracked egg. Un cracked egg contre une licorne néon. Non mais vous feriez quoi les amis? Bon, c'est vrai qu'on peut trouver des licornes dans des cracked eggs. Hein. C'est même le meilleur moyen d'en trouver, je pense. Oh my god, on a un dragon néon fly ride. Attendez, qu'est-ce que la personne va faire? On a un Shiba Inu néon, un Buffalo néon et c'est un Puma néon, je pense, fly et ride et un rat néon fly et ride. Bon, on n'a plus le dragon, mais on a quand même 4 néons fly et ride, franchement, et la personne accepte. C'est là, je crois que c'est vraiment une offre incroyable. Bon, c'est un légendaire que j'ai une licorne néon, mais en face, il y avait vraiment pas mal de très beaux pets. Allez, on continue. Cette fois-ci, on a une tortue fly. Vous savez, j'adore les tortues, mais je pense qu'avec une deuxième tortue, ça aurait été mieux. J'aurais peut-être accepté 2 tortues contre une licorne néon. Allez, on continue avec cette offre. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Ah, je vois des licornes. Attendez, il y en a combien? 3 licornes et 1. C'est un Shiba Inu, je crois. Oh my god, il lui manque plus qu'une seule licorne pour faire un néon. Oh là là, je suis vraiment désolée, je vais devoir refuser. Mais continue ma belle, tu vas finir par trouver ta 4e licorne. Et c'est dommage parce que sur les autres licornes sont ride. C'est dommage d'utiliser des licornes ride pour faire une néon, sachant qu'elle avait déjà une fly et ride. Mais bon, on continue. Oh my god, Midnight, il est trop beau, il est fly et ride et je ne l'ai pas dans ma collection. Oh là là, il est trop beau. Là, j'aurais été capable d'accepter. Oh bah c'est décliné, de toute façon j'aurais même pas pu accepter, donc pas de regret. Cette fois-ci on a un toucan, je crois que j'ai déjà eu une offre comme celle-ci. Ah non, là on a une voiture en plus et 2 chats néons. C'est franchement une belle offre, je trouve, c'est pas mal. Morale de l'histoire, il faudra vraiment que je fasse d'autres licornes néons pour faire des trades parce qu'on peut avoir des choses hyper sympas contre des licornes néons. Donc voilà, je vais aller m'amuser un petit peu avec ma cristal. Les amis, je pense qu'on a fait le tour de quelques serveurs. On a eu de très très belles offres contre des licornes néons. Mais malheureusement, c'était juste une expérience. Je veux vraiment garder mes néons pour transformer ma cristal en méga néon. À l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être que je l'ai déjà transformée et que vous avez déjà vu la vidéo dans laquelle je la transforme en méga néon. Ce serait absolument génial. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un max de pouces bleus. Je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous.